Yes, salut à toutes et tous, c'est TonoGames, bienvenue les amis, bienvenue dans le 12e épisode de Minecraft Oniria. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, car aujourd'hui le capitaine est à sa place dans la cabine et on se retrouve dans la dernière snapshot, la 20W16A pour ceux qui veulent savoir. Et cette snapshot, elle apporte des trucs absolument incroyables. Messieurs, dames, bienvenue à bord de notre navire. Regardez-moi cette petite déco intérieure, qu'est-ce qu'elle nous a fait. Alors moi je me suis juste contenté de quelques petits lits, voilà, des petits lits superposés, quelques petits tonneaux et tout. Et on va directement monter sur le pont, j'en perds ma voix, magnifique. On monte sur le pont de notre bateau pour admirer, messieurs, dames, le fort qui avance, et ben fort bien. Le fort qui avance très très bien. On a attaqué à mort ça en live, mais c'est pas tout ce qu'on a fait. Non, parce que en live, je vous l'ai dit, on avance beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et venez voir, je vais vous montrer un petit truc qui a bien avancé. Également, je vous ai parlé du marché noir, le marché clandestin. Eh bien, voilà, c'est elle qui nous fait toujours la déco intérieure de tout ça. Et vous allez voir que les boutiques, elles sont un petit peu disposé partout. Donc moi je dispose les boutiques. Est-ce qu'elle aménage les boutiques en elle-même? Et puis ça avance plutôt bien. Regardez-moi ça, avec un petit port intérieur, avec une petite chaloupe ici qui est prête à charger ou décharger sa cargaison. Et puis une petite sortie ici qui mène sur la rivière, avec point d'accès à l'océan. Et un autre côté qui s'enfonce un peu plus lui dans la jungle. Et franchement c'est super cool. Autre point de vue qu'on ne soupçonne pas par rapport au fort, c'est juste simplement de regarder depuis derrière. Regardez-moi ce point de vue, il est absolument trop bien, avec la petite tour ici, le petit bâtiment qu'on a fait, les écuries juste là, le donjon principal au centre, et c'est vraiment... Ouais, je trouve que ça commence à donner un petit peu de vie à tout ça. On a essayé de faire une petite charrette qui est pas très belle, mais bon, c'est un détail avec des écuries, toujours ces bâtiments de part et d'autre. Ici, une sorte de petit mur de protection. Il faut passer simplement à l'intérieur. Et puis, cette fameuse tour qui est absolument pas du tout aménagée. Tout comme ce donjon, tout comme le reste de ce château qui avance petit à petit. Mais voilà, ça fait plaisir. J'espère en tout cas que ce LP vous plaît. N'hésitez pas à aller les petits pouces bleus. C'est peut-être le moment pour, voilà, pour le travail fourni. Ça récompense toujours un petit peu. En tout cas, si ça vous plaît, c'est avec plaisir que je prends. Et puis aujourd'hui, comme je vous ai dit, nouvelle snapshot, nouveau craft et déjà un craft que j'ai envie de voir avec vous, qui va être absolument excellent pour ce projet. Oui, les chaînes. Oh oui, alors par contre c'est un peu cher, hein. Un lingot plus deux nuggets pour une chaîne, je trouve ça un tout petit peu cher, mais c'est vraiment vraiment cool d'avoir ces chaînes. Même, on peut faire tellement de trucs avec, simplement mettre une chaîne ici, enfin, c'est bête, hein, mais ça... Ça apporte tellement de trucs, c'est juste incroyable. Et évidemment, on peut mettre simplement une chaîne avec une lanterne au-dessous. Et c'est tout aussi beau, je veux dire, c'est trop bien. C'est trop bien. Et croyez-moi que j'ai envie de faire une prison, hein, sur ce projet. Et la prison aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaînes, ça c'est sûr. Bien, aujourd'hui, aventure. Aujourd'hui, c'est un épisode d'aventure, les amis, parce que oui, il y a une sacrée nouveauté. Dans le Nether, il y a la sortie des bastions, la petite nouveauté. D'ailleurs, en remplissant les fioles, j'ai vu un petit bug. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal ou quoi. Mais quand on drop un item dans l'eau, ouais, on va le dropper plutôt ici. Regardez la vitesse à laquelle il est éjecté. Ça allait pas si vite avant. Mais c'est juste incroyable, là. Non, mais je trouve ça vachement rapide. Je sais pas si c'est normal. Mais ça me semblait un poil rapide, là, pour le coup. Enfin, bref. Du coup, aujourd'hui, découverte des bastions. Les potions sont prêtes, on va aller avec ça. Est-ce que j'ai de quoi faire des potions de résistance au feu? Ouais, je pourrais peut-être en faire quelques-unes, tiens. Oh, oui. Oui, oui, on va se faire quand même vite quelques potions de résistance au feu en plus. On ne sait jamais. Il faudra que j'aille chercher des netherwarts, ou que j'en replante, d'ailleurs. Parce que j'en ai plus beaucoup. Et ça commence à craindre un petit peu. Ouais, parce que là, clairement, si on n'en a plus, on va devoir trouver de nouvelles forteresses et ça, c'est pas gagné. N'empêche que j'ai reset le Nether, hein, pour ceux qui se posent la question. Donc, toutes les forteresses sont toutes neuves. Mais vous, si vous vous souvenez, on n'a pas de forteresse qui donne des Nether Wards tout près. Elles sont toutes buggées dans le coin. Donc, j'espère qu'on trouvera quelque chose de potable rapidement. Ok, nous voilà donc dans le Nether. Alors... Ça fait très peur là ce que j'entends. Ah oui, c'est flippant. Ah oui, alors...
Oh! Oh! Ah la vache! Ah, je m'attendais pas vraiment à ça en fait. Enfin, que ça soit comme ça. Wouah! Ah, c'est stylé. Est-ce qu'il y a des entrées à ça? Oh, mais c'est immense! Oh oh! Oh, wow, 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 allez, aïe, 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 aïe. Oh, problème, problème, on court, ah, c'est vénère, oh, c'est vénère. Oh, mais ils vont vite. Mais c'est quoi cette vitesse? What the fuck, la vitesse? Il y a un problème de vitesse, là, c'est comme les trucs dans l'eau, non? Wow, 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 wow. Wow, la vitesse. Waouh, 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 mais c'est quoi cette vitesse de fou? Oh. Ah non, j'ai regardé Enderman. Ah non. Ok. Ouh. Ah, j'en ai pas regardé qu'un en plus. Allez, tout va bien. On arrête de paniquer. Tout va bien. On prend une potion de résistance au feu, on sait jamais ce qui peut nous arriver. Allez. Oh. Ah là, eh, non mais ils sont vraiment vénères, hein, les piglins, y a pas à dire. Oh. Mais la vitesse, c'était quoi cette vitesse? Est-ce qu'il a décidé? Non. Ok. Oh la vache! Oh mon dieu! Eh, si je m'attendais à ça, moi? Bon, j'ai vu qu'il y avait un coffre là-haut, hein. Ok. Est-ce qu'on peut au moins essayer de rentrer? Je les entends encore, hein. Ah, j'en peux plus, les gars. Oh oh. Ok. Bon, on va déjà faire ces coffres. Bon, arbalète, des flèches, une pattern de bannière, des bone blocks. Ok. On casse le coffre, peut-être. Non, 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 je t'ai pas regardé, je t'ai pas regardé, je t'ai pas regardé, je t'ai pas regardé. Non, je te jure. Vide ma mère, je t'ai pas regardé. Hop. Ok. Oh, je le fais à l'âge, hein, tant qu'à faire. Allez, viens par là. Ok. Potion. Je suis pas bien, les gars. Oh, je suis pas bien. Allez, ça a l'air relativement safe à nouveau. Deuxième coffre. What the fuck? Mais c'est excellent tout ce qu'il y a. C'est quoi les bottes? Soul speed. Oh, mais on a bientôt l'armure en or complète en fait. Un bloc d'or. Du fil. Alors attendez, par contre il y a des trucs là. On va virer. Même l'arbalète, on dégage. Bonne bloc, ok, pourquoi pas. Et il y a encore des coffres à faire, hein. Il y a encore des coffres à faire. On va aller les faire. Oh oh. Ok. C'est un nouveau CD, ça. Soul Speed 2, ok. On a un nouveau CD. Excellent. On ira l'écouter après. Salut. Alors, comme ça, t'es un piglin. Ah, il y a des coffres en bas. Il y a des Netherwarts. Il y a des Netherwarts dedans. Excellent. Ah, attendez, 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 attendez. Hop. Ça, c'est quoi, Soul Speed encore? Ok, on pourra peut-être les combiner, je sais pas. On va juste virer ces blocs-là. Je prends les bonnes blocs et je prends le fil, surtout. On casse. Allez, attention. Un petit peu plus déçu sur celui-là, par contre. Je vais prendre ça. Le casque. On a l'armure complète. Bon, on a ouvert des coffres, on est un petit peu dans la merde, hein, quoi qu'il arrive. Mais on va rester peut-être en or un petit peu. On va prendre des magma cream et on va prendre des blocs de gliding comme ça. Et c'est le crash! Ah, la stabilité de ce jeu à toute épreuve. Oui, 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 ça a vraiment crash le jeu. Par contre, vous... Ah merde! Attends, non, non, c'est pas ces flèches-là que je veux utiliser.
Non, pardon. Je ne tenais pas à vous marquer. Excusez-moi. Pardon. Ah, allez. Dégage. Ah, il va mourir. Ok. Je sais pas si on va faire plus hein, dans le bastion. Ah oui, je voulais encore prendre ça. Je sais pas si je vais faire plus. Je casse volontairement les coffres. Histoire de voir ce qu'on a pu prendre, ce qu'on n'a pas pu prendre. Et là, il faudrait qu'on descende. Hein. Faudrait qu'on descende. On va tenter de descendre, hein, les amis. Ne vous inquiétez pas. On va tenter de descendre. Ok, ça a l'air de continuer là en dessous. Ok, ça donne des nuggets. Ok, ça a l'air d'être une sorte d'entrée ici. Bon, après, je suis en or, donc est-ce qu'ils ont encore en tête le fait que j'ai ouvert des coffres? Parce que du coup, on peut pas ouvrir les coffres, mais est-ce qu'on peut les casser? Ça, c'est la grande question. Est-ce que je pourrais, genre, casser un coffre et tout? Je sais pas où je vais. C'est un peu le merdier, là. Je sais pas s'ils sont contre moi, honnêtement, je sais pas. Alors, est-ce que tu es contre moi? Non, tu n'es pas contre moi. Cool. Cool, cool, cool. Ok. J'explore un petit peu les entrailles de ce truc-là. Ok, là, il y a des blocs qui m'intéressent. Il y a de la chisel et tout. On va aller voir ça. Oh, c'est le merdier là-dedans. Oh, ok, là, il y a une sortie. Ok, on va aller par là-bas après. On va aller par là-bas. Juste avant, j'ai envie de prendre un petit peu cette chisel là. Ouais. Je préfère en prendre un petit peu et puis on verra ce qu'on peut faire avec. Je suis vraiment plein au niveau de l'inventaire. Je suis archi plein. Genre ça, en fait, on va virer. On en a pas besoin. Je vais essayer de monter par là. Allez. Ouais, je pense qu'on va virer pas mal de trucs après. Ok. On va passer comme ça. J'ai résistance au feu, hein, sûrement encore. Donc du coup, ça, c'est pas trop un problème. Je regarde s'il n'y a pas de coffre, parce que c'est tellement facile d'en louper. Ouais, là, il y en a un. Ok. Ok. Alors, on va faire le test de casser le coffre plutôt que de... Bah, tous les coups, ils vont s'énerver. Attendez. Dans le pire des cas, on va virer ce qui nous sert pas trop. Les nuggets. Ok, ils sont en train de s'énerver sur un... Ils sont vraiment énervés dessus. On va y aller comme ça. Soyons fous. Je vais virer encore la table de craft, tiens. Ouais, il s'énerve. Ok, il s'énerve. Pardon. Pardon, j'aurais essayé. Ok, là-bas, ils l'ont pas vu. J'ai eu un deuxième CD, je pense pas qu'on va en garder deux, hein, par contre. Alors, on va pas en faire une collection, ça non plus. Et puis on est pas mal. Et c'est tendu quand même. Honnêtement, c'est vachement tendu. Il y a des chaînes aussi à récupérer, ça je vais le faire. Et... Allez, bouge pas! Ouais! Très bien. Oh! Il y a des blocs d'or posés. Alors vous avez vu, hein, j'ai pris un peu cher. On va pas rester très longtemps encore, hein, j'ai plus de potions de soin. Allez, Norman, il a l'air vénère là. Oh, il y a encore un coffre. On va faire le dernier coffre ici. On va récupérer un peu de Soul Sand et puis on rentre. Parce que là, honnêtement, je me prends encore un coup, je meurs. Donc, oui, on va déjà remettre l'armure. On va remettre la belle air. Non, 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 s'il te plaît. Hop, voilà, voilà, et... Voilà. Ok. Bon, c'est un peu plus dangereux, mais on encaissera un peu mieux les coups aussi. Juste avant, on prend la Nether Wart. On ouvre le coffre. Obsidienne. Je prends un peu ce que je trouve. Toujours du Soul Speed, des flèches, des fils. Et on va se tirer avec ça. Ok. Tout va bien. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de piglins dans le coin. Ouais, je sais, j'ai dit on rentrait, mais on rentre pas. Je sais que je devrais rentrer. Je sais. Ah, potion de résistance au feu, j'ai plus. Allez. Allez, on continue un tout petit peu. Mais un tout petit peu. Le pire, c'est que j'entends les piglins. Ah, ils sont énervés. On se tire. On se casse.
Oh, 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 c'est la merde. J'avais une arbalète par chance. Allez, faut qu'on se tire de là. On se casse. On se casse. On se tire. Oh, j'en peux plus. Je veux rentrer à la maison. Laissez-moi rentrer. Vite. Je sais pas par où je passe. Hein. Tout ce que je sais, c'est que je rentre. Ah, ok, je crois qu'on est arrivé plus ou moins pas par là. C'est pas grave. C'est pas grave, on va rentrer. On va se démerder. Ah, ça y est, on est rentré. On est vivant. Par chance, le retour s'est bien passé. Comment dire? Ça fait plaisir. Regardez-moi cet inventaire incroyable. Alors oui, il va falloir qu'on se fasse des armor stands. J'ai bien envie de mettre des armures en déco et tout. Surtout des armures en or, ça peut être cool. Je vais stocker le CD pour l'instant ici, on va l'écouter tout à l'heure. J'ai pas mal de matériaux, je sais pas trop où les ranger. Notamment bah, l'obsidienne, les nouveaux blocs. Ah, écoutez, tout ce qui est la nouvelle stone, la black stone, on va virer. De toute façon, ça on peut crafter. C'est pas trop un souci. Les items de mob, on va mettre ici. Les nouvelles netherwarp, on va les ranger là. Pareil, item de mob, décoration. Voilà, tout ce qui nous sert un petit peu à rien, on va mettre ici. On a vraiment un sacré merdier là-dedans, non? Ouais, ça déjà, ça va ici. Hop, les bonnes blocs, on a plus de place pour les ranger, mais on va trouver une petite place par ici. Ça va pas là, ça va là. Bref, on fait un petit peu de rangement. Des blocs en or, ça fait plaisir par contre. Les nuggets aussi. Une nouvelle petite lanterne. Des fioles qu'il va falloir remplir d'eau illico. Pour avoir les nouvelles potions. Allez, on remplit tout, peu importe. Hop, 1, 2, 3, et on refait des petites potions. Oh, les amis, regardez ce que je vois apparaître au loin. On est arrivé chez Skell à pied, parce que oui, le Nether, bah, comme il a été reset, je sais pas exactement les coordonnées de son portail. Du coup, on va faire directement apparaître son portail dans le Nether depuis chez elle. Et donc, j'ai fait le chemin à pied. On n'est pas si loin d'elle, hein, ne vous inquiétez pas. C'était pas une grande... Ah bah tiens. Ah non, je croyais que la nuit, elle est tombée, mais pas du tout. On n'est pas si loin de chez elle. Et pour le coup... Oh là là, regardez-moi ce petit hameau qui avance petit à petit, tranquillement mais sûrement. Et je suis venu chez elle tout simplement parce qu'elle a un PNJ qui m'intéresse. Un PNJ Mending. Oh, si joli par ici. Elle a un PNJ Mending qui m'intéresse et du coup, on va directement lui échanger quelques émeraudes, quelques bouquins et puis ça devrait le faire. Alors, hop, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yes! Ah bah, tant qu'à faire, hein. Un deuxième. Un troisième. Oh non, pour deux émeraudes, t'es sérieux? Attends, peut-être qu'il va upgrade. Est-ce que tu as upgrade? Oui. Est-ce que... Des bouquins, 4 bouquins pour... Oui, mais après, j'aurai plus de bouquins pour ta... Ah, il en veut plus qu'une. Ok, il faut que je trouve une émeraude. Alors, je sais qu'elle a d'autres PNJ. Attendez, il veut quoi, celui du fond, là-bas? Non, parce que comme elle a d'autres PNJ, il y a peut-être moyen de moyenner. Elle en a encore un ici. Du papier. Mais j'ai pas de papier, moi. Elle a du papier, elle. Attendez, on va essayer de se faire une émeraude. Peut-être même qu'elle a une émeraude. Chut. Ça reste entre nous. On va vite aller piquer dans ses coffres. Avec un peu de chance, on aura de la chance. Va trouver ça quelque part chez elle. Non. Oh non, elle a pas d'émeraude. Oh non. Elle a des bouquins. 1, 2, 3, 4. Allez, elle m'en voudra pas si je lui en prends 4. Hein. Hop, on est bon. Et ça va les coffres au milieu de la route là. du coup, on va vite aller regarder ça. Si on peut avoir un dernier petit bouquin mending, ça fait toujours plaisir. Hop. Allez, ça c'est pour toi, tu me donnes ça, moi je te donne un nouveau bouquin, et 13 émeraudes, et on a 4 bouquins mending, c'est cool. Alors, évidemment, les élytras en premier, et ensuite on verra sur... Oh, est-ce qu'on ferait pas l'armure directement? Ah oui, elle a une enclume au niveau de la forge. On va vite aller voir si on peut mettre du mending dessus. Je pense que ça va coûter la peau du cul, mais si on peut avoir une full armure mending, je préfère ça limite avant les élytras. Ça serait vraiment, vraiment cool. Ah, attendez, je porte cassé son enclume en fait. Ok, 3, c'est bon, on met dessus. 2, ok. 5, un peu plus cher.
Elle va me tuer. Elle va me tuer. Elle va littéralement me tuer. Alors attendez. Oh merde, elle a même pas assez de fer. Oh là 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 là. Bon, ne paniquez pas, restez calme. Je vais chercher de quoi faire une enclume. Je vous l'avais dit, hein, ne vous inquiétez pas, je gère la situation. Oui, avec ses ressources, hein, mais je gère. On remboursera, y a pas de souci, je lui apporterai un stack de fer, y a pas de problème. C'est un peu dangereux chez elle, là. Un petit peu triqué avec les chats qui me regardent. Eh, mais ça fait flipper, ça. Arrêtez de me regarder. Non, mais... Regardez ailleurs. Naméo. Ah, ok. Alors, elle avait une enclume un peu cassée. Je sais pas si elle la voulait casser, mais on va la casser nous-mêmes. Hop. Elle a toujours pas. Mais au bout d'un moment, il faut la casser, madame. Bon, attends, je sais comment la casser. Qu'est-ce qui nous manquait comme pièce? Il nous manquait le pantalon. Il a quoi, projectile? Ah, ok, projectile. Bon, ben, c'est pas grave. Et ben voilà, une armure full bending, ça fait plaisir. Peut-être mettre sur ma fortune aussi. Peut-être sur ma hache. Ouais, il va falloir que je m'en fasse plus, hein, des bending. Mais bon, pour l'instant, ça ne presse pas. J'aimerais juste recasser un petit peu son enclume, parce que je crois qu'elle aimait bien. Elle m'avait dit que quand elle était cassée, ça, c'était plutôt stylé. C'est bon, elle est ca... Ah, bah voilà, là elle est cassée. Cool. Allez, bim. Ni vu ni connu. Comment dire? Et bah, du coup, je suis perdu. Mais alors, complète. Je. Oh! Pas mal ça. Allez, on va récupérer les larmes. Oh. Alors, si vous connaissez pas, hein, en fait, on tire une flèche avec l'arc et ensuite on switch vite avec une épée qui a looting dessus. Et du coup, ça nous a donné deux larmes parce que looting marche avec l'arc quand on fait ça. Et ça, c'est cool. Tiens, tant qu'à faire, on va augmenter le ratio. Je vous rappelle que j'aimerais faire un maximum de fois le dragon pour avoir les 20 portails qui se génèrent. Et du coup. Et bah, c'est réussi. Magnifique. Allez, on va chercher les larmes et ensuite on va essayer de se retrouver un petit peu là-dedans. Et on est de retour à la maison. Oui, bon, j'avais les coordonnées du portail, j'ai un petit peu triché, c'est vrai. Mais on est bon, on est rentré et ça fait toujours plaisir. Ah, bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. C'était surtout un petit épisode update du projet pour voir un petit peu ce qui a été fait. Et surtout découverte de la snapshot. On a découvert le bastion, on a été chercher du mending. On a eu pas mal de petites choses bien intéressantes. On a vu que les piglins étaient vraiment vénères pour le coup. Alors je sais pas si le fait que tout aille vite comme ça, que ce soit le courant d'eau ou la vitesse de déplacement des piglins soit normal, mais en tout cas, ouais, c'était assez vénère aujourd'hui. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles mésaventures. Si cet épisode vous a plu, encore une fois, le petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles mésaventures. Je vous dis à bientôt, tout le monde. Ciao. Bye bye. Et vous avez vu, on dirait pas que mon armure est enchantée. Ah, bizarre. Allez, ciao ciao tout le monde. Bye bye.